Yo les gens, c'est Zach, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la carrière manager avec Toulouse. Dans le dernier épisode, on avait un petit peu galéré dans le début de saison, hein, clairement. On avait perdu ce match contre Lyon. Et on avait perdu aussi contre Monaco 1-0, donc on n'avait pas très très bien commencé. Il est temps de se rattraper. Clairement, les gars, il est temps de se rattraper. Dans cet épisode, on va jouer contre Marseille, on va entamer la Ligue des Champions en jouant Wolfsburg, on va jouer Lorient et le Gazélec. Donc là, on veut tout simplement 4 victoires. C'est ce qu'on veut. L'OM, c'est assez difficile comme match. On veut les battre. Et on veut commencer à un peu mieux se classer. Parce que pour l'instant, on est quand même très mal classé, 7e position. C'est pas digne de notre équipe. Surtout qu'on est quand même le triple tenant du titre de Ligue 1. Donc on va essayer. C'est sûrement la dernière saison qu'on fait avec Toulouse. Donc on va essayer, bien évidemment, de remporter une 4e fois cette Ligue 1. Et pourquoi pas aussi garder notre titre en Ligue des Champions. Ça commence ici pour se rattraper. C'est vrai qu'on a eu des blessés aussi. On a eu Martial et on a eu aussi Laporte qui s'est blessé à l'entraînement. Du coup, Martial, il ne va pas pouvoir jouer ce match-là. Donc, on va le laisser de côté et on va pouvoir tester du coup le petit Modeste. Hein. On a acheté Anthony Modeste. Donc là, on va avoir deux joueurs pas très rapides devant. Ça, c'est un peu le problème. Et sinon, on n'a pas un meilleur défenseur hein, que Julien. Julien, c'est quand même très bon. Donc, on va jouer avec Julien. Oui, on a Florenzi aussi. On a Florenzi, Laporte, Martial. Ça fait beaucoup. On va quand même mettre Martial dans les remplaçants. Et après, je pense qu'on est bon. On a beaucoup de milieux en remplaçant quand même. Hein. On a beaucoup de milieux. Mais bon, on va peut-être mettre un petit Bakali en remplaçant. Non, Bakali, il a quand même des stats correctes à la place de... Ouais, non, on va laisser comme ça en fait. On va laisser comme ça, c'est très bien. Donc on est parti. J'espère vraiment que là, cette fois-ci, on va un petit peu être meilleur que sur nos premiers matchs. Quand on va battre l'Olympique de Marseille, on va commencer à enchaîner les victoires. Ok, Modeste, tu commences en faisant une passe absolument dégueulasse. Mais ça va, il récupère. Allez, Anthony. Anthony Modeste qui a récupéré le ballon. On va jouer avec Taimi. Allez, Taimi. On va lâcher le pétard. Oh ben voilà. Et ben voilà, le pétard de Taimi. Ça commence bien. Ça commence bien, bon, c'était pas la frappe la plus puissante qu'il ait fait, mais bon, encore Taimi qui nous lâche des frappes incroyables. Ça fait quoi? Ça fait 2 minutes de jeu, et ben voilà, on est présent, le contrôle, on se crée l'espace, on frappe, la frappe croisée, magnifique, ça fait 1-0. Taimi est beaucoup trop chaud, 3e but en Ligue 1 pour lui. Et franchement, c'est ce que j'adore avec Taimi, hein. Sa frappe, c'est vraiment un délice de jouer avec un joueur qui lâche des frappes comme ça. Allez, Jason Martins qui va hors du champ. Hop, on transmet à Modeste pour Taimi. Oh, Taimi, ça va faire 2-0, ça. Non, Taimi, c'est peut-être pas terminé. Allez, on se concentre. On y croit encore au but. Allez, Albert. Je sais pas qui l'a donné. On l'a donné à Modeste. On va enrouler. Modeste s'est contré. Il y aura corner. Mais franchement, Taimi, là, il a raté une occasion beaucoup plus simple que celle qu'il a mise au fond. Son Martins qui n'arrivera pas à faire sa passe. Le bon tacle marseillais. Mais on récupère avec Alexandro. Bien joué. Allez, Taimi, on va tirer. Oh là là, je me suis dit, il est chaud. Il est chaud en frappe de loin, donc on va tenter. Allez, là-bas. Oui, tu l'as vu. Il est pas hors jeu, Modeste. Allez, Modeste. Mais oui, Anthony Modeste qui va marquer. Ça fait 2-0. Bien joué. Premier match et premier but pour Anthony Modeste. D'ailleurs, il a pris le numéro 10, j'avais même pas vu. Eh ben, bien joué de la part du petit Anthony Modeste. Hein. Il va peut-être faire de l'ombre. Peut-être pas de l'ombre, mais il va peut-être un petit peu gêner la concurrence. Peut-être pas Martial, parce que Martial, on a besoin d'un joueur rapide comme lui. Mais attention, Taimi. Même si Taimi, il a sa place quand même. Hein. Faudrait que Modeste, il marque des triplés à chaque match pour qu'on puisse hésiter à le mettre titulaire. Mais c'est vrai que Modeste ressemble quand même, dans sa façon de jouer et dans son physique, à Taimi Abraham. Voilà, là, Jonathan Tah, c'est propre tout ça. C'est très propre, c'est beau. Allez, les deux grands, ils peuvent combiner. Taimi, ouais, il a vu Albert, c'est bien. Albert, il va y aller. Il va y aller, Albert. Et il va marquer. J'ai eu peur parce que je me suis arrêté un peu tôt. Mais le petit Albert, il est là. Et Albert, il devient très bon. Je crois qu'il a 82 de général maintenant. À la base, on pensait que c'était Aubert qui allait devenir un peu la mascotte du club. Mais finalement, c'est Albert qui a beaucoup plus confirmé, qui a gagné sa place dès le début et qui a super bien progressé. Et là, il devient très bon. Hein, un peu dans tous les domaines, en passe. Il est assez rapide. Il est très bon à la récupération. Et là, on voit qu'il sait finir aussi. Donc, très, très bon joueur, ce Albert.
Attention au Campos qui va centrer, mais Jonathan Tah qui récupère. Oh, la mauvaise relance. Oh, Albert, attention! Non, non! Oh non, le but ridicule! Oh, le but ridicule! Oh, il est moche! Oh, qu'il est moche ce but! Oh, qu'il est ridicule et moche! Je sais pas, ça se compte, c'est touché, on sait pas ce qui se passe. En tout cas, c'est moche. C'est moche, c'est Waris qui va marquer, mais très très moche ce but. Bon, c'est la mi-temps, on mène 3 buts à 1. C'est un peu, voire même beaucoup mieux que l'épisode précédent. On est plutôt bien dans l'autre match. On a mis 3 buts, dommage qu'on encaisse ce but un peu moche. Mais bon, il faudra faire attention parce que Marseille, ils ont quand même quelques occasions. Donc, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Donc, on va essayer de marquer les buts encore pour se mettre complètement à l'abri. Bien joué, ça passe l'axe. Super. Super récupération. Allez dans l'axe, c'est pas mal ça avec Taimi qui va frapper. Oh là là, mais les frappes d'Abraham! Elles sont imparables, elles sont imparables. Le quatrième but, il est là, c'est doublé pour Taimi. Et là encore, hein. Bon, belle passe de Kanté. Je crois que Kanté, il distribue. Hein. Autant dans les épisodes précédents, il faisait des passes de merde. Et là, il fait des belles passes. Et Taimi, quoi, encore une frappe splendide. Elle est splendide ta frappe. Quatrième but en Ligue 1. Il est chaud, Taimi. Il a encore envie d'être meilleur buteur lui aussi. Allez, attention, Matheus Pereira. Ça écarte. Allez, la frappe est contrée. Oh, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais Alban, qu'est-ce que tu nous fais, Alban? Alban, il se craque. On prend vraiment deux buts horribles, hein. Franchement, qu'est-ce que c'est que ce but tout dégueulasse encore? Ah là là, Alban, il fait de la merde, quoi. Et là, clairement, on laisse la sortir en corner plutôt que de la remettre comme ça dans l'axe. C'était très laid. Regardons ça, comment c'était laid, quoi. Non, mais sérieux, regarde-le comment il la rend. Comment il la rend? Et forcément, après, il est plus dans les cages et... Et du coup, ça fait 4-2, on prend 2 buts, ridicule, mais bon, ouais. Heureusement qu'on en a mis 4, hein, parce que si on perd le match sur 2 buts comme ça, il y aurait de quoi péter un câble. Bon, c'est terminé, victoire 4-2. L'important est là, on oubliera les 2 buts moches qu'on a pris. Taimi nous aura fait des belles frappes, hein, 2 jolis buts de la part de Taimi Abraham. Sûrement l'homme du match, Modeste aura marqué son premier but, le petit Albert aussi aura marqué, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, place à la Champions League. Allez, let's go, on est parti pour jouer Wolfsburg. Kalulu qui est déçu de ne pas avoir été titularisé, mais bon, c'est la vie, frérot, tu vas pas me casser les couilles. Ah oui, c'est vrai que ça bug toujours quand on arrive au championnat d'Europe, enfin en Coupe d'Europe. C'est un peu relou, mais bon, c'est comme ça. Allez, 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 hop, on va donc jouer Wolfsburg. C'est pas l'équipe la plus forte du groupe, enfin de nos concurrents, je parle. On va dire que c'est la deuxième. La logique voudrait que Chelsea finisse premier, que pour la deuxième place, ça va se jouer entre nous et Wolfsburg. Du coup, il faut gagner. Il faut gagner pour déjà prendre 3 points sur eux. Et voilà quoi. C'est vraiment l'objectif là de ce match. Vraiment remporter ce match-là, éviter match nul, surtout que c'est à la maison. Vraiment, il faut prendre 3 points là et en prendre 3 d'avance. Laporte apparemment serait chaud pour jouer. Bon, on va laisser l'équipe comme ça. On mettra peut-être l'équipe bis pour le prochain match. Parce que mettre l'équipe bis là, ce sera un peu chaud. Ouais, non, on va laisser l'équipe une. Hein. Ils sont pas trop trop fatigués. On va pouvoir retrouver Martial devant qui était plutôt chaud avant de se blesser. Et ben, bah, let's go, c'est parti. C'est parti. Il faut les 3 points. Il faut les 3 points. Ah, ça, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué entre Martial et Jadson Martins. Allez, on va tenter le centre. Bon, c'est pas là que je veux la mettre. Allez, Alexandro! Ouh lolo non, Alexandro! Alexandro qui était monté aux avant-postes et qui était pas loin de marquer son premier but, dommage. Dommage la reprise de volée qui n'est pas cadrée, quoi. Allez, Ousmane Dembélé, hop. On la donne à Kanté, Albert, Jelson Martin, j'enroule. Oh là là, c'est dedans! Je m'attendais à ce qu'elle passe à côté, mais elle est dedans! Bien joué, Jelson Martin qui ouvre le score à la 31e minute de jeu. Sublime, sublime frappe enroulée, franchement celle-là elle est jolie. Hein. Je m'attendais à ce qu'elle passe à côté, hein. Je sais pas pourquoi, autant des fois il y a des balles, tu crois qu'elles vont dedans, elles passent à côté, mais celle-là j'étais persuadé qu'elle passait à côté, mais non, elle est bien dedans, elle est impeccablement enroulée dans le petit filet opposé. Ah, il est bon Martins, il est bon, hein. Franchement bon joueur, premier but en Ligue des Champions pour lui, c'est nickel. Bon, en 8 temps on mène 1-0 les gars, c'est plutôt pas mal. Le petit but de Jelson Martins qui nous fait plaisir. Chelsea qui est en train de faire 0-0 contre le Spartak Moscou. Donc si on pouvait gagner et qu'en plus derrière ça pouvait faire un nul, ce serait pas mal. Deuxième mi-temps, comme d'habitude, le goal ça va être de faire le break, sinon de tenir le score. Attention quand même à Wolfsburg, il y a des très bons joueurs comme Draxler qui est encore dans cette carrière. Et puis voilà, on y va, on va essayer de marquer ce petit but qui fera plaisir.
Allez, on accélère avec Alexandro. Bam, on la met à Gelson Martins qui va accélérer. Et normalement, Gelson, il va être bon. Il va la donner à Martial qui a du champ. On va frapper avec Martial. Et oui, on sait que Martial a une très bonne frappe aussi. Dommage que ça ne rentre pas. On donne ça à Martial. Bien joué de la part de Martial. Oh là 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 là, ça ne veut pas. Ça ne veut pas rentrer. Hamid, là, le gardien de Wolfsburg qui fait beaucoup de parades. Le deuxième but qui ne rentre pas. Allez, Martial, le poteau, j'y crois pas. Oh, encore sur un corner. Ah, et derrière Dembélé, il est hors-jeu, mais franchement, on n'a pas de chance là. Hein. Le deuxième but qui ne veut vraiment pas arriver. Hein. Martial qui a de bonnes occasions. Et effectivement, il y avait hors-jeu de Dembélé. Bon, c'est terminé. Victoire, petite victoire 1-0, mais victoire importante pour la suite de ces phases de poule de Ligue des Champions. Parce qu'on prend 3 points sur notre concurrent direct à la qualification. Et Chelsea a gagné 1-0. Ok, bah du coup, on va pouvoir retourner en Liga. Allez, on est parti pour affronter le FC Lorient. Je ne sais pas s'ils font un bon début de saison. Je sais que dans la carrière avec Monaco, je crois, ils sont plutôt chauds. Mais sinon, bah tiens, offre de sélectionneur pour la France. Non, on a déjà notre carrière sélectionneur. Donc, non, merci. Et avec notre victoire contre Marseille, où là j'ai un petit hoquet qui spawn. Avec notre victoire contre Marseille, on est repassé quatrième. Mais on a quand même toujours 6 points de retard sur Paris, qui pour l'instant fait un sans faute avec 5 victoires. C'est la seule équipe qui a remporté ses 5 premiers matchs. On pourrait revenir à égalité du Stade Rennais si on remporte notre prochain match contre Lorient. Et Lorient, ils sont pour l'instant classés 9e, donc ils sont juste derrière nous. Donc on n'a pas le droit à l'erreur non plus si on ne veut pas redescendre et dégringoler au classement, surtout qu'on est chez nous. Donc il faut se faire plaisir et remporter ce match. L'équipe, elle a plutôt bien récupéré, donc on va la laisser comme ça. Et puis c'est parti, let's go. Ça passe pas. On peut quand même tenter de la redonner à Anthony. Allez Anthony, oui. Oh, bien joué de la part d'Anthony Martial qui y croit jusqu'au bout et qui va marquer. Eh bien, super ça. Allez, on avait commencé notre match difficilement. Mais du coup, ce petit but fait du bien. Ah oui, il y croit, hein. Il a profité du mauvais contrôle du défenseur qui aurait dû se dégager. Et après la petite frappe pied gauche qui va rentrer, bien joué. Quatrième but aussi en Ligue 1 pour Anthony Martial, tout comme Abraham. Ça va peut-être se battre entre deux pour le meilleur buteur. On s'impose. Enlève-moi ça Dembélé, bien joué avec Gelson Martins. Ouah, quel crochet de Gelson Martins, bien joué. Il fait la différence. Allez, là-bas, tu l'as vu, il y a Taimi. Allez, mon petit Taimi, tu vas pouvoir marquer ton petit but. Oh là là, Taimi, t'as pas le droit. T'as pas le droit. En plus, tu tires de ton bon pied. Qu'est-ce que tu loupes? Qu'est-ce que tu loupes? Alors, t'as Taimi. Alors, dans les frappes, entre 20-25 mètres, il te lâche des frappes imparables. Mais là, en face à face, il fait de la merde, quoi. C'est aussi incompréhensible, ça. On l'a donné à Ousmane Dembélé, qui remet à Martial. C'est passé. Dans l'axe, on a le petit Albert. Et de l'autre côté, il y a Gelson Martins. On va feinter, faire la petite passe à Albert, c'est magnifique. Voilà, c'est parfait. Bien joué, les gars. 2-0. Albert qui est encore à la conclusion d'un but. Peut-être que cette année, il va marquer un petit peu plus, vu qu'il est plus repositionné en MOC qu'en MC ou MDC. Donc, il est un petit peu plus offensif. Et il le prouve dans cet épisode en marquant déjà son deuxième but. Ça a été très bien joué. Gelson Martins qui fait le taf. C'est parfait, c'est parfait. Ok, mi-temps, on mène 2-0, on a fait le break juste avant la mi-temps. On voit que le LOSC gagne 2-0 contre le Gazélec, 0-0 entre Bordeaux et Monaco. Donc on est bien, on est très bien dans ce match pour l'instant en menant 2-0. Pour l'instant, on est en train de remplir l'objectif qui était de 4 victoires, hein. On a battu Marseille, on a battu Wolfsburg, on est en train de battre Lorient. Donc on espère que ça va se faire et qu'on remportera aussi le dernier match. Allez, bien joué de la part de Jason Martins. Il est passé. Là-bas, il y a Taimi qui est tout seul. Il n'y a pas d'enjeu pour Taimi. Normalement, là, ça fait but pour Taimi. Taimi. Allez, Kanté. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, là, c'est peut-être moi. J'ai peut-être un peu trop dosé la frappe, mais quand même, quoi. Taimi, il nous loupe des choses. C'est incroyable. Bon, c'est terminé. Victoire 2-0. Ça fait plaisir. On a fait le taf sans vraiment forcer notre talent. On a fait un match moyen, mais ça a suffi pour remporter la victoire. Donc ça, c'est plutôt cool et on va pouvoir passer au dernier match de la vidéo. Allez, on y va pour le dernier match, affronter le Gazélec Ajaccio. Du coup, on va peut-être faire jouer l'équipe bis pour ce dernier match, hein. Quoique Martial, il est quasiment à 100%. On va peut-être faire quelques petits changements. On va jouer le match en faisant quelques petits changements. Ceux qui sont en forme joueront, ceux qui le sont moins ne joueront pas. Du coup, on va jouer, tiens, pour une fois en rose contre, ouais, voilà, contre le bleu-rouge, ça devrait le faire.
Du coup, on a des joueurs un peu trop fatigués comme Abraham. On va faire jouer Modeste pour ce match-là. Albert est un peu trop fatigué. Du coup, on va plus faire jouer Galdames. Martins aussi, on va le laisser au repos. On va faire un peu jouer Bakayi qui joue plus du tout et qui est pas content. Dembélé, ça va. Paslak, le reste, ça va. Hein. Le reste, c'est bon. Donc voilà, on a changé juste quelques petits joueurs qui étaient un petit peu trop fatigués. On est parti. On devrait, j'espère, s'imposer face au Gazélec. Allez, Martial qui a du champ. On va attendre du soutien. On va éviter de se gêner, ce serait sympa. On la donne à Galdames. Galdames, il a vu Ousmane Dembélé. Dembélé, il se met sur le pied gauche. Il enroule. Quelle parade du gardien! C'était une première grosse occasion. Et franchement, belle parade du gardien et belle frappe aussi. Hein. Allez, Bakali. Oh, la vitesse. Oh, Bakali, la vitesse. D'accord. Il va récupérer Bakali, il vous emmerde. Oh, Bakali, il est trop chaud. Il est trop chaud, Bakali. Allez, Martial, la frappe. Et 1-0. Mais Bakali, il m'a choqué, Bakali. Oh, comment il a récupéré le ballon? Il a une vitesse là, il est chaud. Hein. Bakali, à mon avis, lui, il a envie d'une place de titulaire. Après, c'est chaud parce qu'on a quand même Gelson Martins. Mais là, impressionné par Bakali. Hein. La vitesse, l'agilité et tout, il a l'air très, très, très chaud. Et Martial qui va marquer du coup son cinquième but. Il va prendre de l'avance un petit peu sur Taimi. Vu que Taimi est un peu trop fatigué pour jouer. Donc. C'est peut-être là que ça va se jouer pour le titre de meilleur buteur. Hein, qui va finir meilleur buteur? On verra bien, mais Martial, il est quand même très chaud. On va bien jouer. Martial qui fait la roulette un peu trop sur le défenseur. Mais on va quand même récupérer avec Bakali qui va enrouler le but de Bakali. Ah là là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bakali qui, lui, un temps en équipe bis, il ratait beaucoup de choses. Il marquait pas beaucoup de buts. Et là, c'est bien joué. Bon pressing aussi de Martial et Bakali qui, pour sa première titularisation, qui va faire une passe décisive et un but. Chaud patate le petit Zakaria Bakali. Premier but en Ligue 1 du coup, bah voilà, il est chaud patate. Il a envie de montrer qu'il est présent et qu'il peut être titulaire ou faire partie de la rotation en tout cas. Bon, c'est la mi-temps, on mène du coup 2-0, super match de Bakadi pour l'instant, ça fait plaisir de voir des joueurs qu'on voyait quasiment pas faire de très bons matchs, avec un petit but de Martial aussi, donc c'est bien ça, c'est bien, continuons comme ça en deuxième mi-temps et faisons-nous plaisir. On donne à Martial pour Galdames, Paslak qui est resté aux avant-postes, oh là là, Paslak, oh, il a failli marquer, Paslak, notre défenseur droit qui était monté. Jusque dans la surface, quoi. Dommage, hein. Vraiment grosse occasion pour lui. Allez, Dembélé pour le corner. La tête de Laporte qui a failli marquer. C'est la barre. Et en plus, en deux temps, on n'a pas la chance de marquer. C'est vraiment dommage. La talonnade, c'est bien joué. Allez, on a Galdames avec Modeste. Il y a Kanté qui fait l'appel. On l'a vu, N'Golo Kanté. On va frapper. Oh, la belle frappe d'N'Golo Kanté. Mais la belle parade de Dani, qui est plutôt chaud comme gardien quand même. Hein. Allez, corner. Ça va revenir vers Kanté encore une fois. Oh là là, en deux temps là. Enfin, plutôt en deux occasions, à quelques minutes d'intervalle, Kanté a failli marquer. Belle demi-volée. Et là, cette fois-ci, le gardien était battu. Ça frôle le cadre. Hein. Bon, c'est terminé. Victoire 2-0 comme contre Lorient. Donc, on a rempli notre objectif de cette vidéo. Faire 4 victoires en 4 matchs, donc ça c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on va bien se replacer au classement après nos 3 victoires en Ligue 1 et on a aussi bien entamé notre Ligue des Champions, donc c'est bien. C'est bien, on a fait un très bon épisode, fier de l'équipe. Du coup, on est repassé deuxième. Bon, après, il y a Nice qui peuvent encore nous passer devant, Rennes qui peuvent revenir à égalité de points et Paris qui sont chauds patates. Hein. 7 matchs, 7 victoires, ils veulent absolument pas craquer. Hein. 13 buts marqués pour un seul encaissé. Ils sont très très chauds les Parisiens cette année, ça va être dur d'être champion. Ouais, ils ont envie de goûter au titre, hein. Ça fait 3 ans qu'ils ne l'ont pas eu. Là, ils ont envie de le récupérer, on va dire. Du coup, bah, on va regarder un peu plus le classement un peu plus en détail. Du coup, Paris, donc on a dit qu'ils sont beaucoup trop chauds cette match, cette victoire. Il y a Nice qui peuvent nous passer devant. Ok. Sinon. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, on est bien. Sinon, on est bien. Monaco est assez loin maintenant, tout comme Bordeaux. Lille peut revenir à un petit point s'il gagne. Ouais. Et comme on a dit, Rennes peuvent revenir à égalité. Et sinon, pour l'instant, les équipes dans le mal, même si ça veut rien dire, hein, c'est que le début, c'est Nantes 3 et le Gazélec Ajaccio. Ok. Ok, ben pour l'instant, les deux seules équipes invaincues, c'est Nice et Paris. Nous, on a déjà fait deux défaites, ce qui est déjà assez énorme, mais bon.
On est en train de se rattraper. J'espère que ce sera les deux seules défaites de la saison, même si ça va être chaud contre Paris. En termes de meilleur buteur, Cavani était ex aequo avec Martial. Et juste derrière, on a Tammy Abraham et Diakabi qui ont mis 4 buts. Et en passe décisive, Kanté, mine de rien, il en a fait 4, tout comme Gelson Martins, qui est plutôt pas mal lui aussi. Donc tout ça, c'est pas mal du tout. On va arrêter la vidéo ici. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne, à partager aussi parce que ça fait toujours très très plaisir. Et puis c'est tout pour moi. Je vous dis bye les gens.